We don't have to start it. Haven't even got that far to go. Take it slow. Bonjour à tous, ici Hervé Matou en direct du King Power Stadium de Leicester. Bonjour Hervé, salut tout le monde. Et dans ce match, nous allons retrouver Leicester face à l'Allemagne. Un petit mot sur le King Power Stadium de Leicester. Vous connaissez assez mal avant le parcours incroyable de Leicester en 2016. Ouais, pendant la deuxième partie de la saison, on s'est dit que Leicester finirait par s'écrouler, mais ils sont allés au bout. Avec un Ngolo Kanté absolument monstrueux. Hey, on a vu la différence quand il est parti à Chelsea. Hein. Et Chelsea qui a vu la différence quand il est arrivé d'ailleurs. Et du côté de Leicester, voici les joueurs qui vont débuter la rencontre. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. On a découvert en même temps que nous l'organisation de cette équipe d'Allemagne pour ce match. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. L'Allemagne avec un bon ballon à négocier. Je pense que l'arbitre a hésité pendant assez longtemps. Hein. Ah, finalement, c'est un jaune. Neymar, Toni Kroos. Neymar, ça part bien, action dangereuse. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Le dégagement pour éloigner le danger. Toni Kroos. Kane. Ah, beaucoup trop loin pour espérer surprendre le gardien. Mesut Özil, grand meneur de jeu. Champion du monde avec l'Allemagne en 2014. Il a un talent invraisemblable. Mais alors, qu'est-ce qu'il est beau parfois. Neymar. Kane. Giorgio Chiellini, c'est le prototype du défenseur italien. Pas vraiment un physique de star de cinéma, mais le vrai défenseur de devoir, toujours un très bon niveau. On s'approche du but. Oui, c'est intéressant. Plusieurs solutions pour Neymar sur cette action. La passe est interceptée. Ouais, la jolie passe aérienne. Aucun problème hein, pour le gardien qui n'a pas eu vraiment à s'employer pour arrêter ce ballon.
L'arbitre qui réfléchit, est-ce qu'il va sortir le carton? Kroos. Ce sera donc un coup franc pour l'Allemagne. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. N'Golo Kanté. Harry Kane. Leicester qui peut s'enfoncer sur les côtés sur cette action. Kelly, peut-être une bonne opportunité, attention. Cristiano Ronaldo vient buter sur le gardien qui était bien resté vigilant. Il lui donne ce ballon de la tête. Kanté. Ronaldo. Ballon un petit peu lobé là pour Neymar. Mesut Ozil. N'Golo Kanté. Ah, il y a peut-être une situation intéressante là. Kanté. Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Et dans le tir qui est contré. C'est touché par le défenseur. Ce sera un corner. Allez, petite combinaison sur ce corner. Kanté. Harry Kane qui frappe. Et droit dans les bras du gardien. Facile. Mesut Ozil. Mesut Ozil, allemand, mais bien sûr d'origine turque, vous l'aurez compris. Oui, il est né à Gelsenkirchen, dans le bassin de la Ruhr. Bon, il y a tellement de clubs pro dans la région que c'était à qui il mettrait la main dessus le premier, et c'est Schalke 04 qui a décroché le propos. Marcelo, il y a danger, attention. Harry Kane. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh, quel but! Il a mis toute sa puissance dans la frappe. On revoit tout ça au ralenti. C'est impressionnant. Il avait une petite ouverture. Il a choisi de frapper de loin. Ça lui a souri. Je vous laisse admirer la qualité, la puissance de cette frappe. Les Foxes qui mènent dans ce match. Ça me quitte bien. Cristiano Ronaldo. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. Parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Il perd ce ballon. Neymar. Le tir. Arrêt du gardien. Mesut Ozil. Ouais, là. Attention à Thomas Müller. Oh, il la manque. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas bien de louper des occasions comme ça, surtout à ce moment du match. Marcelo. Ouais, lumineuse cette passe. Attention, il a du champ devant lui. Ok. Ouais, la bonne circulation du ballon. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Il centre pour Kane. Il choisit la frappe. Ah, c'est au-dessus. C'est au-dessus, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien le secteur. Il résiste bien en attendant des renforts. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Neymar. Bien centré de la part de Neymar. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur.
got a feeling, look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh, can't you taste the feeling, feeling? Saying, oh, we all together singing. Look how far we come now, 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 now. There's beauty. Bonjour, bienvenue pour ce match. Je suis en compagnie de Pierre Ménès, bien sûr. Bonjour à tous et bien merci de nous recevoir chez vous. Voici la composition de l'équipe à domicile. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. Number 17, Harry Roderick Blanton. Number 8, Ollie Lee. Number 9, Danny Hilton. Du côté de Leicester, voici les joueurs qui vont débuter la rencontre. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Un stade qui se présente aujourd'hui dans une configuration assez connue. Oui, Hervé, avec des tribunes latérales plus hautes que celles qui se trouvent derrière les buts. J'aime pas, moi. Cette équipe de Leicester qui a vraiment surpris tout le monde en 2016. Bah, tout le monde s'attendait à les voir craquer après leur super début de saison. Et ben, ça n'est jamais arrivé. Ils ont réussi à garder cette fraîcheur dans leur jeu qui leur a permis de remporter un titre de Première Ligue absolument incroyable. Le duel pour la récupération. Ouais, faute, estime l'arbitre. Ouais, très bonne récupération, il y a danger. Il n'y a pas de carton jaune, l'arbitre veut calmer le jeu. Marc Albrighton. Oh, c'est juste à côté. Ah non, le défenseur est bienvenu, ça a oublié le tireur à précipiter son geste. Ça part bien, action dangereuse.
Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Sous la pression de l'adversaire. Ouais, très bon duel défensif. Bien joué. Ouais, l'intervention, là, le tacle glissé. Cristiano Ronaldo. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score, déjà. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce match. À mes côtés, bien le commenté, Pierre Mélès, bien sûr. Salut Pierre. Bonjour à tous, salut Hervé. J'ai mon casque, mon micro, il n'y a plus qu'un. Il continue balle au pied, Ronaldo. La proposition de l'équipe locale qui s'affiche. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. Et du côté de Leicester, voici les joueurs qui vont débuter la rencontre. Allez, un petit peu de frisson là avec ce coup franc extrêmement bien placé. Manquer ce coup franc, n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup de conviction dans cette frappe. Hein. Et ce ballon qui traîne. Impeccable la récupération. Ça peut être dangereux, hein, ce pressing là. Allez, qui va reprendre ce ballon. Un petit peu piégé, hein, sous pression là. Et on revient vers le même joueur, bien joué. Ouais, la bonne récupération, très haut. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Voilà, je pense qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Il prend sa chance. Pas de quoi inquiéter le gardien.